Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet Tout, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant Blackout Black Ops 4. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, les 80 000 ont été dépassés aujourd'hui, merci infiniment, plus de 80 000 tryhards sur la chaîne. Maintenant tu sais c'est quoi l'objectif? Les 90 000 ou 90 000, hein, et bien évidemment les 100 000 sur du Call of Duty, donc n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, voilà. Et surtout, ce qu'on va faire, on va refaire la même méthode parce que je pense que t'as compris au titre. À chaque 400 likes, je lâcherai un petit code bêta pour obtenir tout simplement la méthode Blackout, enfin la bêta Blackout. Je vais vous donner plein d'informations et surtout également une méthode très simple d'obtenir la bêta. Oui, parce que les personnes qui disaient « Ouais, mais la bêta n'est pas ouverte, etc. » La bêta était ouverte. La bêta était ouverte, il suffisait juste de nous suivre sur Twitter pour connaître la technique, tout simplement, parce que sur certains, dans certains endroits du monde, il suffisait juste de télécharger une bêta via votre PlayStation 4 et vous pouvez jouer tranquillement. Donc, comme ça, au cas où, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Enfin bref, première des choses et la plus importante, c'est que la bêta sera disponible à partir du 10 septembre. Alors c'est un peu bizarre de dire 10 septembre parce que j'ai regardé quand même la date, c'est un lundi, donc oui, ils ont vraiment confirmé, Treyarch l'a confirmé sur Twitter, Activision l'a confirmé, David Vanderaar l'a confirmé également. Enfin bref, ça sera à partir du 10 septembre qu'on pourra jouer sur la bêta de Blackout, que ça soit en solo, en squad ou sinon en duo, c'est-à-dire le Battle Royale. On pourra donc jouer dans tous les modes un peu connus comme il y a sur Fortnite ou qu'il y a sur H1Z1, peu importe. Vous pourrez donc jouer dessus grâce à ces différentes méthodes. Donc déjà, recevoir les codes à chaque 400 likes, je lâcherai un code. La deuxième méthode, et qui est la plus simple et qui est encore bon à l'heure actuelle, il suffit tout simplement de vous créer un compte Moyen-Orient. Alors un compte Moyen-Orient, c'est-à-dire quoi? Arabie Saoudite ou sinon russe, etc. Je vais vous expliquer étape par étape. Donc, première des choses, il faut que vous créez un compte russe ou Arabie Saoudite. Peu importe, un des deux, etc. Vous choisissez la langue, donc vous avez la possibilité de mettre en anglais. Bon, bah, bien évidemment, vous allez mettre en anglais. Vous faites tout ce qu'il faut, etc. Vous mettez une adresse mail que vous venez de créer, peu importe. Par exemple, par Yopmail, vous faites une adresse random, etc. Et tout simplement, vous restez connecté via Yopmail et vous attendez le mail de confirmation pour vous dire que ce n'est pas un robot, etc. Et que tout simplement, vous voulez bien créer un compte PSN. Donc à ce moment-là, vous terminez tout ce qu'il faut. Vous évitez de mettre votre numéro de téléphone parce que c'est totalement inutile étant donné que vous allez le supprimer juste après. Dès que le compte est créé, veuillez activer vos 2 jours. Oui, il y a 2 jours de PSN Plus et c'est très important parce que si vous ne les activez pas, vous ne pouvez pas télécharger cette bêta. Donc vous allez recevoir, vous devez activer tout ça dans les histoires de gestion et de paramètres par rapport au compte. Vous activez les 2 jours, vous allez tout simplement dans le PS Store et vous allez dans la catégorie Black Ops 4. Et dans la catégorie Black Ops 4, vous pouvez tout simplement télécharger la bêta. Alors, une chose vraiment très importante, je sais que j'aurais pu le montrer, mais je ne décide de pas le montrer. Pourquoi? Parce que je peux me faire strike. Je sais, c'est chiant, je sais que j'aurais pu montrer, etc. Mais Venom l'a fait il y a un an de cela, il a fait plus de 200 000 vues, genre je crois en 2-3 heures, et son compte s'est fait ban. Donc je vais pas prendre de risque, je veux absolument pas prendre de risque, je vous ai expliqué la méthode, ça marche. Soit c'est le compte russe, soit c'est Arabie Saoudite, les deux marchent très bien, enfin c'est tous les comptes Moyen-Orient, etc. qui fonctionnent super bien étant donné que leur bêta est ouvert, donc n'hésitez pas d'utiliser cette méthode-là. Ensuite, sinon, bah, de nouveau, l'histoire du compte que vous allez recevoir, oui, parce que c'est vrai qu'il y a encore des bots, étant donné que moi je l'ai fait, hein, je veux dire, moi j'ai fait la technique, en l'occurrence Hong Kong, qui malheureusement a été patchée, donc les personnes qui vont me dire « Oh, l'Octed, la technique Hong Kong, est-ce qu'elle marche encore ?» Malheureusement, elle a été patchée, mais je sais pas pourquoi, 2 jours après, ils ont décidé de faire la même chose avec les Russes, parce que tu refais la même chose, etc. Enfin bref, c'est un peu idiot en soi, mais bon, les gens savent très bien qu'on va utiliser cette technique à notre avantage. Et donc ensuite, vous faites ça, vous tout simplement avec le mail que vous avez reçu, si vous avez fait la méthode Hong Kong, donnez-le à un pote, tout simplement parce que vous n'en avez pas besoin. Et pour les personnes qui ont déjà, bien sûr, utilisé la bêta, ne supprimez pas votre bêta. Ne la supprimez pas parce que tout simplement, vous allez jouer dessus. C'est la même application, les potes.
C'est exactement la même application, donc ne delitez pas. Et si vous avez delete, retournez dans votre bibliothèque et vous pouvez la retélécharger. Donc évitez de faire ce genre d'erreur parce que ça serait vraiment bête pour vous. Et si vous pouvez plus, bah essayez de choper par un nouveau code, etc. Mais malheureusement, c'est ainsi. Il faut absolument pas que vous fassiez cette erreur de supprimer la bêta, même si elle prend beaucoup de temps. Attendez que Blackout soit terminé et là, vous pourrez tout simplement détruire votre application Black Ops 4 bêta. Voilà les gens, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Si ces petites méthodes vous auront aidé. Puis moi, je vous dis bye et à la prochaine. N'oubliez pas, on se retrouvera donc jeudi pour une toute nouvelle vidéo. Ah non, demain pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, étant donné que j'étais quand même obligé de vous sortir une vidéo normalement aujourd'hui sur Black Ops 3 concernant les level 1000. Donc ça sera demain à partir de 21h. Voilà les gens, c'était l'Octet tout. Et puis moi je vous dis bye et à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher le petit pouce bleu. Ciao ciao tout le monde.